bateau de Thésée. Donc, est-ce que quand un bateau est réparé à tel point qu'il n'y a plus une seule pièce qui est la pièce d'origine, on peut toujours dire que c'est le même bateau? Non? On enlève toutes les pièces petit à petit au fur et à mesure des voyages, on remplace. Et puis après, on a un tas de pièces et on reconstruit un bateau avec le tas de pièces. Est-ce qu'il y a un deuxième, même bateau? Où est l'identité entre le bateau de Thésée d'origine qui a été réparé, où il n'y a plus une seule pièce d'origine, et les pièces d'origine qui ont été réassemblées? Il semblerait qu'il y ait 2 mois à ce moment-là, donc deux du point de vue du bateau. Donc du même ordre, nos éléments constitutifs de ce qu'on croit être moi ont été en permanence remplacés au fur et à mesure des années, des évolutions, que ce soit physiquement, on le voit bien. Ce corps-là est très différent de quand il avait 2 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. On nous dit, je ne sais pas, c'est à vérifier que toutes nos cellules se régénèrent tous les 7 ans. Bon, après, il y a plein de. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais on voit bien que s'il n'y a pas de continuité réellement par rapport à ça, il y a une pseudo-continuité. Mais voilà, donc ce mois-là, est-ce qu'il est réel ou est-ce que ce n'est pas juste un concept?